bénit tout le monde. Bon Dieu bénit Light and Peace Christian Ministry. Amen. 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 Encore une fois, de plus, lumière et paix pour chacun de vous. Amen. 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 Maintenant, nous sommes dans le sixième jour, troisième mois de l'année, qui est le mois de conquête. C'est thème nous ça, thème nous tirer dans le cinquième livre Pentateuque, Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Qui stipule, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon, voir. Je livre entre tes mains Sion, voir. Hésbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Et que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Et si pour tout le monde, sujet ça a un peu évasif, un peu vague, mais pour nous, nous-mêmes chrétiens haïtiens, et ça veut dire un pile bagaille pour nous. Parce que nous sommes des conquérants avant la lettre. Il y a un peuple qui acquit indépendance par les âmes. Et étant que chrétien haïtien, verset ça vient renforcer conviction chrétienne, nous, de par notre histoire. Côté nous sortis dans différentes tribus, côté nous tayés en Afrique, côté fait nous venir esclaves. Et nous esclaves des fois. Nous esclaves qui ont lagué nous et travail pour satisfaire, pour enrichir les grands colons, mais nous sommes esclaves du péché. Et pour nous arriver dans l'hôtel, nous y est aujourd'hui. Nous sommes sur le plan social, l'autre dit Haïti, ça te dit un peu le bagaille. Nous sommes sur l'échiquier mondial. Au monde qui était dans misère, qui était sorti tout dans zone Liban, Libye, la Syrie, et puis on était pilé d'Haïti, on était libre. Je vous dis, regardez côté nous descendre. Nous avons précipice, nous avons profondeur, et c'est le bon Dieu qui pourrait faire si face avec nous. Nous on est la risée du monde. Nous sommes le premier peuple noir qui a fait conquête par les armes. Et je dis à Jésus, relève-nous, lui mettez-nous dans l'autre niveau, lui mettons l'autre âme dans nous pour nous séduire les cœurs, pour nous conquérir les incrédules, peut-être qui ne veulent pas être conquis, pour nous accompagner vers les parvis de la cité céleste. Je dis à faut que nous disons tout, faut nous veiller en pile. Parce que j'aime les bagayo à dérouler là. Pour ce pas des préférences, nous-mêmes qui venons l'église conquise. Parce que c'est vrai, pendant mon Dieu, nous les mettons on l'autre âme dans nous. Et bien nos missions. Il dit, nous allons par tout le monde, prêcher bonne nouvelle là avec tout le monde. Qui croit, on va sauver. Et en pile fois, l'on a fait évangélisation, l'on a fait appel à la conversion. C'est belle, mission en belle. Et il y a toujours des joies. Les conquérir des âmes. Même dans le ciel là, il y a fait, il y a des gens qui sont contents. Par contre, depuis combien d'années on a l'évangile là, depuis combien d'années on a Light and Peace Christian Ministry, on souligne là. C'est le même nombre d'années depuis où on a fait conquête des âmes. Donc on entendait chaque
Il y a des jours, nous avons 5 frères et sœurs qui n'ont rien mis, des conférences, nous avons prié pour eux. C'est bon. Peut-être, bah, qu'on est depuis qu'il est, peut-être vous avez vu peut-être votre dernière conquête depuis là que vous êtes convaincu au monde ou t'es fait convaincre lui pour l'accepter Jésus pour venir dans la même place, pour éviter de venir dans la même bois, pour venir dans la bonne part, que personne n'a pas retiré dans la même. Bah, qu'on est depuis quand? Mais parfois tout, nous finissons, nous abandonnons, nous pas instruisons. Parfois, c'est des fêtes, ils ont chuté. Ils n'ont pas vraiment une des frères et sœurs conquis une fois pour toutes. Mais, c'est nous matin. C'est nous aujourd'hui. C'est que des églises, peut-être conquérantes, entre guillemets, même gens avec des conquistadors romains et peut-être qu'ils étaient imprégnés nous avec. Jusqu'à présent, il y a des peuples qui ont gagné conquistadors, qui ont débarqué. Jusqu'à présent, ils ont hérité les stigmates du conquistador. Et je dis à nous-mêmes qui sommes des conquérants chrétiens, si nous n'avons pas impacté la société, ça, même ça, nous finons conquis, nous finons séduits. Il a considéré eux, il a considéré nous comme des tonneaux vides, comme des grands ventilateurs. C'est ça m'a regardé là, dans ça le monde là, particulièrement pays nous, Haïti. Dans ça, moi, l'Église, c'est qu'a fait plus. L'Église, c'est qu'a baillé pays à un coup de défense. Mais là, nous gardons, nous, c'est des bagailles claniques, après régler les clans. On a fait des gros pasteurs, petits pasteurs, gros conquérants, petits conquérants. Gardons un exemple devant nous. Dernièrement, ils ont kidnappé un pasteur. Un homme qui va jamais faire monde. Après, avec un petit lit, la bénin homme. La retirer un homme. Il est arrivé au kidnapper, monsieur. Mais l'on regarde dans le temps conquérant, dans le temps l'autre conquérant, qui dans l'autre sens, il y a des fois où il y a solidaire entre eux, il y a une certaine solidarité, il y a organisé. Mais parce que c'est toujours ça. On n'a pas senti dans conquérant l'église. Et des pasteurs, je vous dis, si vous êtes touché, vous avez senti le pays à plus ou moins trembler. Mais comme c'est lui, vous n'avez pas senti vos considérations. Et pour nous faire bien attention, vous n'avez pas considéré nous, même gens avec conquistadors espagnols, romains, russes, américains, chinois. Je dis, et n'a demandé, nous-mêmes qui dans l'évangile là, au nom de la moralité chrétienne, pour nous faire la différence, pour nous démasquer nous de la conquête mondaine. Je dis, on a un exemple devant nous. Si nous avons un coup de pied là, nous sommes arrivés en Irlande. Ou après, des Irlandais ont séparé Irlande. Séparé en Irlande du Nord, Irlande du Sud. Et si je ne me trompe pas, Irlande du Nord, c'est des majorités protestantes. Et Irlande du Sud, après grand impact Angleterre fin fait sur eux, et peut-être il y aurait été Irlande du Sud était catholique. Na font une recherche. Et yo chaque dans façon pa yo, yo impacté société a, yo impliqué dans toute activité société, il y a une activité sportive, il y a une activité socio-économique, même là, il y a rêvé être des citoyens célestes. Mais, il y a impacté, il y a imprégné la société. Pour eux, c'est des concurrents qui travaillent.
Matin, nous pas venir faire une guerre des conquérants. Nous pas venir faire une guerre des conquérants catholiques, protestants. Parce que moi-même, je ne parle pas là, je ne suis pas religionniste. Religion fait trop l'honneur, religion fait trop abus, c'est même des guerres de religion, religion qui fait trop victime dans le monde. Ça. Mais il y a des considérations spéciales, il y a des considérations qui sont nécessaires. Je veux dire, si tu es arrivé à Haïti, ou tu as fait un coup de pied à Haïti, ou après l'éducation, ou après effacer, non mais les chrétiens catholiques. Faut être hypocrite en pile pour pas t'a dit yo bon école même les à toute faiblesse yo gagné peut-être ce sont des enfants les plus doués les plus intelligents peut-être c'est yo qui a le concours peut-être les moyennes 5 peut-être yo d'après yo yo pas t'apprendre rien dans société là mais quand même c'est yo fait des travail qui palpables. Il y a des gens dans ce secteur qui font pour exemple, comme Mère Teresa. Il y a des Mère Teresa, des femmes qui ont réalisé dans la ville, il y a des gros bishops qui ont fait bruit, je dis à Kassel. Je dis à, si vous prenez un homme, Carole Volchila, connu sous le nom de Pape Jean-Paul II, son nègre. Pour ça, pour ça, j'ai ça, c'est pas extraordinaire. Pour me citer que c'est là. Des mondes, peut-être, viennent à faire considération, hein, peut-être qu'ils disent, nous sommes bœuf là, n'a pas le mal. Mais si nous ne faisons pas autocritique, comment nous allons considérer nous comme des conquérants, leur considérer, ça, ils sont conquérants. Yeah. Parfois, on a marché dit, nous avons 50%, 52% protestants. Mais nous avons plus. Parce que quand tu as fait référence à Abraham et l'eau, ça n'a pas empêché, ça a été dans la société. Pour faire bon Dieu confiance, bénir davantage, il a impacté la société. Mais je vous dis, nous jouons dans la Bible, nos gros conquérants, je dirais les Ézéchias. Et dans l'histoire, Ézéchias, nous jouons, je parlais d'Ézéchias dans Ésaïe, chapitre 38 et 2 à 20. Ézéchias, on est qui était riche, qui t'a servi, qui t'a marché avec mon Dieu, avec l'Éternel. Ézéchias, vivait au soir de sa vie, il a mouru. La Bible dit, mais Ézéchias, vivait. Au fait, Ésaïe, il a annoncé Ézéchias, nouvelle-là. Mais avant Ézéchias mourir, Ézéchias font prière dans 2 rois 20, verset 3, soit dans Ésaïe 38, c'est même bagaille-là. Ézéchias dit, ô Éternel, la prière lui, souviens-toi, et j'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes, c'est ça histoire dit. Face contenue. Ézéchias a crié. Mais le verset 6 là pour remonter moral nous et Ézéchias, bon Dieu, attendez. Prière. Il voyait Esaïe, il voyait le prophète là, a dit Ézéchias, chef de mon peuple. Ce n'est pas parole Esaïe, non. Esaïe dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éden. Mais verset 6 là, l'Éternel, parle dit Ézéchias, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mais côté bas, la parole belle là, je te délivrerai toi et puis et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Gros concurrent, j'ajouterai à tes années. À tes jours, 15 années. Mais non seulement
la protégé. Dieu t'a protégé, toi, cette ville, à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Protestant, n'abdi non, nous conquérir un pays, 52% bon bagaille pour nous, ouais, impact nous dans la société, nous trois chrétiens. Bon bagaille pour l'éternel, délivrer nous et pour délivrer le pays. Nous préférons mettre tout compromis, il y a acquisé nous, même dans la mort de grande dignité dans nos pays. Il y a des femmes trop fous. Le conquérant, son bagaille, mot sa fort. Dans l'état pays, ça, et là, dans l'état, nous mettons pays, ça, là, parce que tout le monde pas intéressé, mais tout le monde est responsable. Bon, expression pour me dire, dans l'état, nous mettons pays, là, mot sa trop en flanc, et là, nous avons des côtés, non, baguette. Je ne sais pas le papier hygiénique pour me assurer le bouche, je me finis la gueule, je ne préfère pas dire. Mais il n'y a pas de ça. Il est là. Et là, regardez, tellement, sujet ça, son déclaration de guerre, de Théonome. Chrétien dans la bataille. Deutéronome 2, verset 24, ça. Son déclaration de guerre. Ce n'est pas la guerre dans le vrai sens du mot. Mais c'est son gens pour inciter nous sortir. Mais c'est un boglio que nous y est là. Dans l'état de l'équestance que nous y est là. Dans l'état nous en lambeau. Comportez-nous dans le monde ça. Parfois, Dieu nous demande de grands sacrifices pour passer peut-être à un autre niveau, à une autre dimension spirituelle supérieure avec nous. Dieu nous conduit peut-être sur le chemin difficile pour tester notre obéissance, mes bien-aimés. Et dans le même livre de Théonome, non, vous avez regardé, non, chapitre 8 là, c'est, nous avons passé sur le théonome déjà, nous avons dit son livre est considéré comme deuxième constitution, peuple Israël, là, Moïse a écrit. Et nous arrivons puis devant dans le chapitre 8, nous apprenons deux versets seulement, verset 2 à 3. Dans la terre promise, et la reconnaissance envers Dieu. Le théonome chapitre 8, la Bible dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entreriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, qui vient toi, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Pendant ces 50 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu gardais ou non ces commandements. Et bien, si tu as demandé, un haïtien, peut-être l'Itado, il a toujours fait référence après 217 ans, 218, 200 combien, baronnet de l'indépendance. Nous toujours préférer nous, il y a 100 ans, mais bah, il était comme ça. Et tout côté a marché de progrès, de conquête en conquête. Mais nous-mêmes, nous descendons. Mais parfois, j'aime dire, non, bon Dieu, mettez-nous sur des chemins difficiles pour nous éprouver. Dieu nous conduit sur des chantiers difficiles. Dans Somme 23, peut-être, nous avons récité chaque jour, tout à l'heure, peut-être, nous avons récité tout à l'heure dans l'administration de la Sainte-Seine, nous avons pris un bout de phrase.
il nous dirige près des eaux paisibles. Et certaines fois, il nous conduit aussi sur un chemin difficile pour nous éprouver. Seigneur, on a parlé avec mon témoin de Jéhovah. On a questionné pour voir Satan gagner. Pour qu'il sache, mon Dieu, chasser l'homme ça sur la terre avec tout pouvoir ça y est. Il y a des dégâts, gang à faire dans le pays. Il y a des messages qui peut-être a plané sous tête nous. Regardez, parfois je dis, ou regardez, je dis, il y a impressionné avec un missile, il s'attendait. C'est plein de questionnements. Parfois nous n'avons pas de réponse. Mais tout ça, c'est pour nous apprendre une leçon, mes amis. Peut-être Dieu a des raisons que nous ne savons pas. Mais là, nous regardons dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2 à 3. C'est pour me dire, il y a des conquêtes, pas des conquêtes sans souffrance. Apprenez les jeunes nous pour le gourmet avec la vie. Apprenez les parents tolérants qui sont en Amérique du Nord, qui ont quitté Timon, grandi, Jean et Ovelé. Parfois, le comportement est mis dans les yeux. Parfois, nous-mêmes arrivés, c'est nous qui enterrons. Mais, grandir comme des vrais conquérants, pour nous quitter ça. Pour nous quitter les bagailles, pour nous former le caractère. L'Église n'a pas caillé ça hier, sans Timon. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Afin, quand il. Même les vieux, même les grands. Nous avons une assistance pour nous bailler. C'est ça qui parle de cette grandeur d'église-là. Si on entendait l'église, on était dans toute zone, en Asie et du Sud, dans toute zone mésopotamienne, c'est parce que l'apôtre Paul a fait un travail. L'apôtre Paul a agi en grand conquérant. Il a quitté le chrétien, il a formé le caractère. Nous disons, étant que conquérants, nous n'avons pas de travail pour nous faire dans la société, pour nous faire dans l'église-là. Mais, nous avons demandé pour nous compter sur Jésus. Mes chers frères et sœurs, à travers le mois des conquêtes, Dieu veut nous apprendre à compter sur lui et sur lui seul. Les promesses qu'il a fait nous, sur le bout de ça. Il dit, côté nous mettez pieds nous, côté nous pile, la banonie comme héritage. Mais attention, attention. Peut-être c'est la tactique pas nous à vivre. Parce que la vie en soi est un combat. Mais regardez un instant comment Dieu vous a délivré de la situation difficile. Comment il a épargné des enfants, des accidents. Tout en entendant, témoigner sur les là, comment il a protégé vos enfants. Rappelez-vous que vous avez été peut-être à l'hôpital. Tout combat ça, il fait partie des conquêtes de la vie. Et que les médecins peut-être n'avaient pas donné de l'espoir. Mais Dieu avait agi pour vous de façon miraculeuse. Eh bien, l'amour de Dieu pour nous, pas varié. Il laisse certaines choses arriver. Même méchants, nous sommes capables de combattre devant nous, en face de nous, comme des gros ennemis. C'est pour être anéanti au jour même du jugement. Dieu nous a conduits lui-même sur un champ de bataille périlleux. Mais cette situation que vous traversez aujourd'hui, combat rude, c'est vrai. Il faut bien réfléchir. C'est une épreuve. Elle n'est pas là pour toujours. Les cas durés, c'est vrai. Mais bientôt, combat à suspendre. Au cas perdu, parfois, quelques combats, mais pas la guerre. L'épreuve est éphémère, mes bien-aimés. Bientôt, il n'est pas prêté pour longtemps.
Moïse, qui écrit livre de Théonome, ça. Il était arrivé dans une situation, bah, il était fatigant, il était amer pour lui, le peuple a murmuré. Il était dit, les Égyptiens que vous voyez devant vous ne les verrez plus jamais. Abraham, le père de la foi, il était arrivé dans une situation, madame du pays, a des grands goûts de la disette, elle le voyait à la chercher manger, il dit, pas dit c'est madame ni, pas dit c'est seul. Abraham, le père de la foi, arrivé à mentir pour manger. Même ma peau mette au matin, il était comme un grand concurrent. Ou pas loin, ouais, bout de tunnel là. Dieu est en train de travailler sur vos motifs cachés, sur les disposition de votre cœur. Peut-être des bagailles, si vous dites pas accordé, je dis ah, c'est pour éviter surtout. Des bagailles, bon Dieu, pas quitté, ouais, peut-être ou pas parti. Des bagailles, il n'est pas quitté, on connaît tout. Il y a des victoires, il gagne pour vous. Il y a plus que ça, ouais, à Dieu Chanel ou. Croyez-le. Tirez-le comme des conquérants dans le combat, nous y est là. Parce qu'il est en train de vous apprendre une leçon. Apprenez cette leçon, mes bien-aimés. Sachez que Dieu vous aime. Pas de monde qui plus remonte que bon Dieu. Il y a l'amour pour vous. Il fait de gros sacrifices. Plus que ça, ouais. Il vous conduira vers des eaux paisibles. C'est là ça, vous comprenez. Pour qui ça? Bataille a été longue comme ça. Et bataille ça, nous la donne, nous y la donne, par contre, depuis qu'il est là, ce n'est pas bataille pour lié. C'est bataille l'éternel. Nous disons, ces missiles qui ont détruit forteresse. Mais sachez dans l'histoire des chrétiens, Mirage Jéricho est écrasé avec missiles de louange, seulement avec des sons musiques. Et. Ça paraît impossible, c'est même bon Dieu, elle n'a pas changé sans ombre de variation. Mais combat nous y est là, miracle ça a reproduit encore. Amen. C'est comment, si vous pas la conquérant, si vous pas un général ça, dans cette armée, l'éternel des armées, l'été avec Josaphat, l'été avec Samson, Samson crasé Philistin avec une mâchoire bourrique seulement. David est sorti victorieux devant Goliath avec un petit festival. Matéan, ou même qui conquérant, qui vient de ça, pas minimiser force. Fixez ses yeux sous l'éternel. David dit, et Goliath va marcher sur moi avec un javelot, avec une épée dans la main. Mais moi-même, m'a misé sur moi au nom de l'éternel, les amis. Et victoire pour lui. Et nous songez, dans Zacharie, dans chapitre 4, dans la relation que nous avons gagné avec le prophète là, il te dit une parole. Il te dit lui, il te reprend une parole ça. Il te dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est par mon esprit, dit l'éternel des armées. Maintenant, ou même qui t'a gagné longtemps, captain la délivrance, et ni en force et vous, mais ou bien pour retrouver la joie qui vous a perdu, ça fait longtemps. Et plus tard, vous verrez la délivrance. Et capral, peut-être les fruits de la patience. Moïse disait à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et combat Dieu, nous toujours dit dans le proverbe la caille, là où Zeta et Banda, c'est tout le temps soleil pour vous lever. Et après la pluie, c'est va bon temps. Alléluia. Si conquête, on va marcher aujourd'hui là.
c'est un statut, peut-être des résidences permanentes, que vous avez des inquiétudes, vous avez peut-être sentiment de panique, sachez que Dieu a la solution. Vous avez changé l'hiver en été. Si vous souffrez ce matin dans votre famille, dans votre cœur, dans votre entreprise, dans votre tir, dans votre entourage, même mon ou pas ta pensée, se sont soulevés contre vous. Eh bien, chers amis, cela ne va pas durer pour longtemps. Les douleurs vont disparaître. Les problèmes vont être résolus dans le nom puissant de Jésus. Bientôt, ce sera votre vibrant témoignage. Croyez-le. Placez votre confiance en Dieu. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait des combats. Le combat est là. Du pape Néon vers bon port. Même lui-même, il n'est pas contre chemin. GPS lui dit charge. Mais Dieu prendra la bonne direction. Il vous conduira au bon port. Soyez content. Soyez joyeux. Bien-aimé. Soyez confiant. De confiance dans mon Dieu. Et c'est là notre prière matin. Je vous souhaite une agréable journée. Confiez-vous dans l'Éternel, votre Dieu.